killer with king of the king. I'm a red computer. Follow me down. Watch out when you son. Eternal in Africa. Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi tu vas faire ce travail? Pourquoi tu ne m'as pas fait savoir? Je ne voulais pas te déranger. Non. Mon ange, ceci est mon devoir. À chaque fois que tu veux casser les bois de chauffage, tu m'appelles. Je vais te faire ça. Hein? Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Hein? Même si c'est pour casser tous ces bois. Hein? Appelle-moi, je vais faire ça pour toi. Si tu veux que je le fasse maintenant, je vais le faire. T'inquiète, reste à côté. Je vais casser ça tout de suite. Ah, ça fait longtemps que tu casses ça? Juste maintenant. Tout de suite, hein? Quand je suis ici. Ah! Mes yeux! Bébé? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mes yeux, mes yeux! Mes yeux! Attends, attends, j'arrive! Aïe! Fais vite, s'il te plaît! J'arrive, bébé! Aïe! Je suis désolé, mon amour, je ne savais pas. Aïe, aïe! Allez, allez, incline-toi! Hein? Bébé, incline-toi. Vas-y, qu'est-ce que tu as apporté? De l'eau. Apporte plus de l'eau. Attends, mais ça. Attends. Tu te sens comment? Je ne vois pas bien. Quoi? Tu ne vois pas? Je ne peux pas voir. Mais attends. Regarde-moi. Est-ce que tu me vois? Mets de l'eau, mets de l'eau, mets de l'eau. Hey. Hey. Attends. On y va. Hey. Viens, bébé. Avance. Attends. Suis-moi. Viens avec moi. Mon Dieu. Doucement. Doucement, bébé. Désolé. Désolé, bébé. Ça va aller. Tu verras à nouveau. Allez, mets-toi. Prends place. Assieds-toi. Assis. Vas-y, mets-toi, bébé. Je suis désolée. Ok? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Regarde-moi. Est-ce que tu me vois? Hey. Je ne peux pas. Tu n'arrives pas à me voir? Comme... Je sais que tu es ici, mais c'est comme de l'ombre. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc tu ne me vois pas. Et... Ah. Ah. Mais je ne vois rien dedans. Souffle sur ça, souffle sur ça. Tu me vois maintenant? Hey! Tu vois? Hey! Grand frère! Viens, viens vite m'aider! Grand frère! Aide-moi! Ma soeur! Ma soeur! Viens oui, d'abord viens. Vite ici, viens! Viens nous aider! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas où... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais est que le diable est un menteur. Amen. Amen. Il ne va pas réussir. Mes soeurs. Hey. Hey. Egwani.
Va par ici, je veux voir. Va de l'autre côté, va de l'autre côté. Tu as vu quelque chose? Hey! Ego, les médicaments ne fonctionnent pas. Je pense que mes yeux passent du mal au pire. Sans effet. Grand frère, rien ne va se passer avec tes yeux. La douleur va s'arrêter. S'il te plaît. Ma belle-sœur, tu lui as acheté les médicaments. C'est ça, Ego. Il n'y a pas de problème. A-t-il mangé? Non, il a dit qu'il n'avait pas faim. Pourquoi tu fais ça? Mange pour bien prendre des médicaments. Les médicaments ne fonctionnent pas. C'est ce que je dis à Ego. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Ma soeur ne fonctionne pas. Je crois qu'on doit l'amener à l'hôpital. À l'hôpital? Mais où est-ce qu'on va avoir l'argent? Ma soeur, on peut aller chez l'oncle Jemba, peut-être qu'il peut nous aider. Non, oublie-le pour le moment. Faisons les choses normalement. J'ai déjà fait mon point, je fais mon point. Si quelque chose de mal lui arrive, ce sera de votre faute. Bébé? Chérie? Je suis là. Qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit que l'état de tes yeux est alarmant. Et pour ça, nous avons besoin des 300 000 naira pour l'opération. 300 000 naira? Oui. Quoi? Où est-ce qu'on va trouver une telle somme d'argent? Oh, t'inquiète pas. Où? T'inquiète, je crois que je vais me débrouiller, ok? Mon amour, il n'y a rien que tu puisses faire, tu le sais. Tu essaies juste de me consoler. Où est-ce qu'on va trouver une telle somme d'argent? Où? Ah. Bébé, on y va à la maison. Il faut que tu te reposes. Allons-y, doucement. Bébé, c'est moi, Ifo Nanya. Laisse-moi t'aider. Ifo. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis en vie. Je suis en vie. Bienvenue. Tu réfléchis beaucoup. Arrête de te faire du mal, ok? Non. Ne vois-tu pas que je ne vois pas bien? Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas que ma vue se détériore de jour en jour? Tu ne vas pas devenir aveugle. Amen. Jamais de la vie. Tu ne vas pas devenir aveugle. Et Dieu ne va pas le permettre, ok? J'ai peur. J'ai peur. Je ne veux pas devenir aveugle. Si je deviens aveugle, comment vais-je prendre soin de mes sœurs? Comment? Nos parents ne sont plus. Ils les ont laissés sous ma protection. Maintenant, comment vais-je prendre soin d'elles dans cette condition? Quand tu t'aimais à pleurer comme ça, tu brises mon cœur. Non. Crois-moi, je ferai quelque chose. Comment? Comment? Je ferai quelque chose. S'il te plaît, ne me quitte pas. Bébé, je ne vais pas te laisser. Je te le promets. Je ne vais pas du tout te laisser. Ça va aller. Oui. Tontine Funaya,
Tantine Funaya. Tantine Funaya. Tantine Funaya. Et pourquoi? Tonton Ebuka. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tonton Ebuka est devenu aveugle. Quoi? Oui. C'est pas vrai. On y va. On y va. T'es arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Yvon. Hein? Je ne peux plus voir quoi que ce soit. Je suis devenu un aveugle. Je suis devenu un aveugle. Comment peux-tu blaguer avec ce genre de choses? Je t'en prie, arrête ça. Tu dois arrêter. Allez, arrête ça. Arrête. Je souhaite que c'est de la blague. Je souhaite que c'est une blague. Je souhaite... Oh mon Dieu, tu ne peux pas devenir aveugle. Tu ne peux pas. Je ne vois plus. Fais voir. Je ne peux plus voir. Laisse-moi voir. Tout est devenu noir. C'est vrai ça. Tu ne me vois plus du tout. Pas du tout. Regarde-moi, bébé. Regarde-moi. Tout est. Tu ne me vois pas. Regarde. Tu ne vois pas mon visage. Tu ne me vois pas. Non. Non. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens, bébé. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Hey. Es-tu sûr que tu ne me vois pas? Ah. Tonton, qu'est-ce que tu racontes, non? Comment tu peux dire que tu es devenu aveugle, hein? Moi, je devais aller à l'école, mais avec ton état, je ne saurais pas aller à l'école. Arrête ça, non, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Sérieusement, je suis désolé. Hey, jeune fille. Où est-ce que tu vas? Papa, tu es toujours là? J'ai cru que tu étais sorti. Où est-ce que tu vas? Père, je vais aller visiter mon cousin Ebuka. Qui est devenu aveugle? Qui est quoi? En tant que médecin, c'est ça? Quand est-ce que tu es devenu médecin, toi? Ou Jésus-Christ qui peut faire en sorte que les aveugles voient? Père, oui? C'est mon cousin. Je veux qu'il sache que je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète mon œil. Oh, arrête de me raconter de bêtises. Père. N'importe quoi. Allez, entre dans la maison. J'ai dit entre. Idiote. Espèce d'idiote. C'est quoi ça? Je t'entends pleurer et tu me dis que tu ne pleures pas. Écoute,
Je m'habitue même à cette situation. Ne vois-tu pas? Comment tu peux dire que tu commences à t'habituer à cet aveuglement? Je sais ce que tu ressens. S'il te plaît, ne le redis plus encore. Ça brise mon cœur. Si je continue à me sentir mal, ne penses-tu pas que je vais pleurer toutes les minutes? Je l'ai accepté comme mon destin. Mais je crois au miracle. Je fais confiance en mon Dieu et je sais que je vais recouvrir la vue. Je sais cela. Grand frère, je le crois aussi. Je crois que tu reverras encore. Laisse-moi aller te préparer la nourriture pour que tu manges. Papa, papa, s'il te plaît, aide mon cousin Ebuka. Il est devenu pratiquement aveugle. Les docteurs demandent 300 000 naira pour une intervention chirurgicale. Ngechi. Papa. Ngechi, donc, après t'avoir parlé de Ebuka, tu lui rends toutes mes visites. T'as été voir Ebuka. Papa, s'il te plaît. Papa, pense à ce que les gens diront. Pense à ta réputation dans cette communauté. Ils se demanderont comment le seul neveu de Chief Udjemba devient aveugle. Papa, s'il te plaît, penche ton cœur vers lui. Écoute, le fait que Ebuka soit aveugle n'a rien à voir avec moi. Est-ce clair? Et pour ce que les gens vont dire, je dirais que ça ne me concerne pas. Je veux ni entendre ni savoir ce que les gens vont dire. Papa, s'il te plaît, aide-le avec le peu que tu as. Peu importe le montant que tu auras. Nkechi, si tu continues à me parler au sujet d'Ebuka, je risque de te déshonorer. Papa! Laisse-moi tranquille. Alors, quitte-la. Dégarpille d'ici. Comment tu te sens aujourd'hui? Je vais bien. Comment va ta mère? Elle va bien. As-tu mangé? Oui, j'ai mangé. Viens, approche. Donne-moi tes mains. Promets-moi que tu ne me quitteras pas. S'il te plaît. Tu es silencieuse? Tu pleures? Es-tu fatiguée de moi? Tu es fatiguée de moi? Non. C'est juste que je n'arrive pas à maîtriser mes larmes. Je ne me lasserai jamais de toi. Alors, ne pleure pas. Je remercie Dieu que je suis entouré par des gens qui m'aiment. Je sais que cette situation connaîtra un changement bientôt. Ce n'est pas la mienne. Cette situation n'est pas la mienne. Tu as un courage extraordinaire. Je t'aime, bébé. Merci. Je t'aime plus. Et je vais te prouver mon amour pour toi. Mais nous avons accepté d'attendre jusqu'au mariage. Oui, mais cette condition ne tient plus lieu. Je veux que tu sois le premier homme à m'avoir touché. Juste au cas où. Je ne comprends pas. Au cas où quoi? Rien du tout. Je veux juste qu'on fasse l'amour. S'il te plaît, faisons-le. Embrasse-moi d'abord. Promets d'être avec moi jusqu'à la fin des temps. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je te promets.
que je ne vais pas te laisser. Je t'aime. Je t'aime aussi. Conduis-moi dans la chambre. Mon amour, hein? Merci beaucoup pour avoir fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Je te remercie aussi d'avoir me donné le privilège de commencer premièrement. Merci. Je t'en prie. Obi. Hein, mon amour. Je dois me rendre à Onitsha. Onitsha, hein? Pour faire quoi? Chercher du travail. Je dois réunir l'argent pour ton opération. Avant qu'il nous soit tard, bébé. Donne-moi tes mains, mon amour. Je sais que tu veux mon bonheur, mais... N'y va pas, s'il te plaît. Bébé, je dois partir. Te voir dans cette condition tout le jour brise mon cœur. Qu'est-ce que tu ne comprends pas de ce que je venais de dire? Tu veux me quitter? Si tu te rappelles bien de comment on avait commencé, tu n'allais pas me poser cette question. Bébé, on doit vraiment gagner le temps. Sinon, tu perdras la vue pour toujours. Je préfère être aveugle pour toujours que de te perdre. Tu es mon miroir, tu es ma vie. Mon amour, ma vie dépend de toi maintenant. S'il te plaît. Tu n'as pas besoin de devenir aveugle ou de me perdre, ok? Comment oses-tu, monsieur? Es-tu malade? Tu avais perdu tes sens? Tant que tu as eu les kilos, tu as osé me gifler en public. Tu te crois pour qui? Tu te prends pour qui? Ok, juste parce que nous nous sommes mis en relation il y a 2 mois. Juste 2 mois. Tu crois déjà avoir le droit sur ma vie. Tu te crois déjà au contrôle de ma vie pour me gifler en public. À que cet argent que tu penses avoir, j'en ai moi aussi. À que ces voitures, ces habits, tous ces contacts, toutes ces choses que tu penses avoir hackées, j'en ai moi aussi. Tu ne peux pas commencer à me dicter, tu sais quoi? J'en finis avec toi. Ne m'approche plus jamais, ne viens plus chez moi. Je ne veux plus te voir encore à côté de tout ce qui me concerne. Allez, raccroche, tu es fou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiet. Sais-tu que ma sœur a quitté le village pour aller en ville pour chercher 300 000 naira qu'il va remettre à un homme? Attends, donc ta sœur peut lever un fonds de 300 000 naira et toi tu es toujours comme ça? Elle nous a laissé souffrir dans le village, maman et moi, juste à cause de ces stupides avec Ebuka. Hey! Chinaza, qu'est-ce que tu as déjà fait pour cette situation? Je n'ai rien fait. Ne me dis pas que tu n'as rien fait pour ce cas. Es-tu là en train de me dire, moi, Ngozi? Hey! Laisse-moi penser à ce qu'on peut faire. Hey, Ngozi, utilise ton cerveau, Ngozi. Zara et Nego sont là? Oui. Viens. Exactement ce que je ferai. Oui. Je veux qu'ils paient pour tous les sacrifices que ma sœur a fait pour leur stupide frère. Ça c'est ma NASA. Maintenant tu as compris. Thank you.
Nava. Ngozi. Hey. Je ne vais plus t'attendre prononcer mon nom. N'ose pas me toucher. Donc ma soeur a quitté uniquement le village et allé en ville pour chercher 300 000 naira pour votre frère avec. Hé, hey, maman. Toi, tu vous pouvez parler. Dites rien. Parle pas, mon cher. Vous n'avez pas honte. Ok. Vous ouvrez aussi vos bouches. Regarde-le. Elle n'arrive même pas à s'habiller convenablement. Mais c'est quoi, non? Enlève tes mains. Récupère les habits qu'elles ont portés. Je vais récupérer toutes les choses que vous avez obtenues de ma sœur. Je t'ai dit de ne pas toucher ma sœur. Arrête ça. Allez, agenouille-toi. Vite. Allez, agenouille-toi. Agenouille-vous. Faites-le toutes les deux. Agenouille-vous. Agenouille-vous. Agenouille-toi. Je dis à genoux. Allez, enlève ça. Enlève. Enlève, dépêche-toi. Je dis enlève, ça fait vite. Ne touche pas, ma soeur. Enlève. Enlève. Ah, allez, arrête, non. Oui. Arrêtez de m'embrayer. Couille-toi, fais vite. Enlève. Ne nous fais pas perdre le temps. Fais vite. Ne parlez plus à ma soeur. Et toi, dépêche-toi, fais vite. Enlève, donne. Mais laissez-la, non. Elle va le faire toute seule. Donne-moi ça. Donne. Gozi, prends. Elle a même déjà usé. Allez, prenez-lui. Donne. Vous savez quoi? Vous avez vraiment de la chance parce qu'aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Vous avez de la chance. Sachez que la prochaine fois que je vous verrai, les filles, je vais très bien m'occuper de vous. Hey, regardez-le. Regarde leur tête. Maintenant, enlève tes yeux sur moi. Ego et Zara, vous devez courir. N'est-ce pas, Ngozi? Vous courez à genoux. Allez, Ego et Zara, courez vite. Ça, c'est vous. J'ai dit, levez-vous et mais courez. Je prends notre nourriture. Courez avant que je n'ouvre mes yeux. Tu continues de parler. Tu ferais mieux de fermer ta bouche. Commencez déjà à courir. Vous ne voulez pas courir? Aya, courez. Apprêtez-vous. Allez, go, partez. Stupide fille. Elles ont eu chaud. C'est bien fait. Bonjour, monsieur. Ouais, salut, beauté. Comment tu vas? Je vais bien. Où est-ce que tu vas? Je ne vais nulle part, monsieur. Je cherche du travail. Tu cherches du travail? Quel genre de travail tu cherches? N'importe quel boulot. L'essentiel est que je sois payé tout le mois. Mais tu viens d'où? Je suis d'Amansi, monsieur. Amansi. S'il te plaît, monte, ok? Oh, d'accord, monsieur. Ouais, on est là. Entrez, mets-toi à l'aise. C'est ma maison ici. Et j'y habite seul. C'est très beau. Tu sais, je me pose la question à savoir pourquoi une belle fille comme toi serait en ville cherchant de l'emploi alors que tu ne connais personne? Monsieur, je cherche à réunir 300 000 naira pour l'opération de mon fiancé. Tu essaies de trouver 300 000 naira pour ton fiancé? Oui, monsieur. Il est aveugle. Tu veux dire que tu fais tout ceci à cause d'un homme? Oui, monsieur. Oui. Bien, je dois te féliciter. Tu es une bonne fille. Merci, monsieur. Bien, ça va. Étant donné que tu cherches du travail, je cherche une femme de ménage. Je ne sais pas si tu peux le faire. Hey, merci, monsieur. Merci. Ça va, merci ça beaucoup. Lève-toi. Est-ce que tu as un endroit où tu peux habiter? Non, monsieur. Non. Bien, comme je l'ai dit,
je vis tout seul ici. Je ne sais pas si ça te serait convenable de rester dans l'une de mes chambres. D'accord, monsieur. Merci. Merci beaucoup. De rien. Pour commencer, je vais te payer 30 minéraux mensuellement. J'espère qu'avec ça, tu pourras rassembler le montant que tu veux. Oui. Par ailleurs, tu as un compte bancaire? Non, monsieur. Je n'ai pas de compte bancaire. Pas de problème. Demain matin, je vais t'emmener dans l'une de nos banques ici pour pouvoir ouvrir un compte pour toi. Merci, monsieur. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse aussi. Viens, je vais te montrer ta chambre, ok? Ifnaya, mon amour, je souhaite que tu ailles bien où que tu sois maintenant. Je prie Dieu pour qu'il te protège, où que tu sois. Tu vas trouver et avoir ce que tu cherches, ce qu'il faut pour mon bien. Que Dieu te protège, mon amour. Ifnaya, je t'aime beaucoup. Merci. Merci pour tout. Ifunanya. Oui, monsieur. S'il te plaît, apporte mon ordinateur portable. D'accord. C'est ça. Dépose-le là-bas. Oui. Ifunanya, j'ai dit de le déposer là-bas. D'accord, monsieur. Monsieur, est-ce que je peux vous apporter à manger? J'ai déjà fini à cuisiner. Tes yeux me disent quelque chose de différent. Tu as sommeil, tu sais? Alors va te reposer. Je me servirai moi-même quand j'aurai faim. Non, monsieur. Je peux patienter. Vous me payez pour mes services. Ifunanya, peux-je te poser une question? Oui, monsieur. Assieds-toi ici, s'il te plaît. T'as dit que tu viens d'Amansi.
Comment se fait-il que je ne te connaissais pas avant? De quel village viens-tu exactement? Je suis du village d'Oré. Oré. Je suis de Oumuokpala. Hey, Seigneur! Quelle coïncidence! Mais vous ne me l'avez jamais dit. Ah, que le monde est petit. Vraiment? Tu es de quelle famille exactement? Je suis de la famille d'Obi. Mon père s'appelait Ifani Obi. Vous le connaissiez? Il est mort, ça fait 3 ans. Il est un gentilhomme. Et ta mère, comment va-t-elle? Elle va bien, monsieur. Mais je ne vous connais pas. C'est parce que je rentre rarement. Ceci est un souhait réalisé. Ma belle femme, je n'oublierai jamais le jour où je t'ai rencontrée. Monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien. Très bien. Ton ami, est-ce qu'il est aussi de notre milieu? Non, monsieur. Dieu, encore merci. Monsieur, vous n'êtes pas ici? T'inquiète, j'essaie de penser à certaines choses, t'inquiète. Tu es allé à l'université, n'est-ce pas? Oui, monsieur, mais ça n'a pas marché. Je continue à chercher. Ce n'est pas un problème. Laisse ça à moi, je verrai ce que je peux faire. Il y a quelques habits sales dans l'armoire. Amène ça à la blanchisserie demain. Ah, monsieur. Donc, je ne les lave pas bien. Pourquoi le lavage? Ifunanya, tu n'as pas à faire tout dans cette maison. Fais juste ce que je te demande de faire. Ok, monsieur. C'est vous le patron. Je peux maintenant vous apporter à manger? Oh ouais, vas-y et serre-moi. Qu'est-ce que tu me cherches? Tu n'as pas vu la voiture venir? Tu es avec? Je suis désolé, madame. Je suis désolé. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à avoir mon bâton? Ton bâton? Mon bâton, oui. Je suis désolé. C'est ça. Je ne peux pas voir. Ouais. J'attends ma soeur. Je ne sais pas là où est allée, donc... Ta maison, c'est où? Comme ça, je peux t'accompagner. Numéro 5, Chime. Désolée, je ne connais pas vraiment bien ici. J'allais t'accompagner. Hein? Merci. Viens. Viens, je vais me débrouiller. Non. Thank you.
Bienvenue, monsieur. Bon travail, madame. Puis-tu du moins pour une fois oublier cette question de monsieur? Appelle-moi simplement Gosier. Bien, c'est pour toi. Wow. Merci, monsieur. Merci. Ah, ouais, je vais te payer dès le départ le salaire de 2 mois. Merci, monsieur. Mais vous pouvez les garder pour moi. Je vais les prendre après 3 mois. Ce qui veut dire simplement que tu le prendras quand c'est beaucoup. Oui, monsieur. Ça va. Juste continue de faire le bon travail. Oui, monsieur. Waouh, je suis impressionné. Merci, monsieur. Qui est-ce? Hein? Ifunaya, c'est toi? Non, c'est moi, Mouna. Oh! Mouna? Oui. Ah, ça fait plaisir de t'avoir. Merci. Hey. Dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Oh, pas mal, merci. Comment est la ville? Oui, la cité, ça va. J'étais venue faire 2-3 choses. C'est pourquoi je suis revenue te voir comme j'avais promis. Ah, c'est très gentil de toi. Oh, j'apprécie. Nous sommes des amis, hein? Oui, nous sommes des amis. Alors, comment vont tes parents, tes sœurs et frères? Mes sœurs vont bien. Mes parents sont décédés. Oh, désolé. Pas de problème. Ok. Ebuka, j'ai des questions à te poser si ça ne va pas te déranger. Dis-moi un peu, tu es aveugle? Depuis ta naissance ou bien c'est venu par accident? Je suis devenu aveugle. Il y a 2 mois de cela. 2 mois passés? Oh, comment ça? Certains petits morceaux de bois ont blessé mes yeux. Et on m'a demandé 300 000 naira pour l'opération. Où est-ce que je vais trouver une telle somme d'argent? Je ne l'ai pas. Ah, 300 000 naira. Ok. Maintenant que tu es aveugle, qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens? Ouais. Le docteur a dit qu'il y a encore de la chance. Comme les yeux ne sont pas endommagés totalement, il y a encore de la chance pour la guérison. Oh wow, Dieu merci. Heureusement. Ok, qu'est-ce que tu fais déjà à propos? Rien de sérieux, rien. Bien que ma fiancée soit au Nietzsche maintenant, elle a voyagé pour aller travailler afin de rassembler cette somme. Oh, wow. Elle est très gentille, hein? Oui, elle l'est. La question ici est celle de savoir combien de temps elle prendra pour totaliser ces 300 000 naira. Combien de temps? Ça. Tu as raison, tu sais. Mais comment ça, je suis enceinte? Qui va m'aider? Comment pourrais-je rentrer et dire à Ebuka que je suis enceinte? Comment allons-nous élever cet enfant? Si je n'arrive pas à rassembler cet argent, il va devenir aveugle pour toujours. Est-ce que Gosier sera-t-il d'accord avec une femme enceinte? Oh mon Dieu! Ceci est vraiment sans espoir. Ifunanya. Bonjour, monsieur. Pourquoi tu es si triste?
Qu'est-ce qui ne va pas avec ta mère? Elle va bien, monsieur. J'ai un léger mot de tête. Ma chère, sois ouverte à moi. Partage tes soucis et problèmes avec moi. Ce n'est qu'à ce prix que le fardeau peut être ôté de toi. D'ailleurs, je suis le seul ami que tu as ici. Ifunanya, vas-tu m'épouser? S'il te plaît, Ifunanya, épouse-moi et sois la mère de mes futurs enfants. Je t'aime, Ifunanya. Oh, s'il vous plaît, monsieur, levez-vous, levez-vous. Vous êtes un homme bon, mais... Ifunanya, pense à la façon dont nous sommes rencontrés. Et voilà où nous sommes arrivés. C'est un miracle, Ifunanya. Monsieur, je vous avais dit pourquoi j'étais venue dans cette ville. La vie de quelqu'un est entre mes mains. Je ne vais pas les décevoir. Ifunanya, ce n'est pas à toi de le secourir. Dieu a un objectif pour toi et moi. Il veut changer ta vie. Je me souviens que tu m'avais dit que tu croyais à les miracles. Laisse ta foi te diriger. Ifunanya, juste pour une fois dans ta vie, donne au changement une chance. Bonjour, papa. Mon enfant, comment vas-tu? Je vais bien, papa. Tu as l'air fatigué. Oui. Je viens de très loin. Et j'ai perdu ma destination. D'accord, papa. Laisse-moi t'acheter de l'eau pour que tu récupères de force. Ne t'en fais pas, je vais très bien. Ma fille. Papa. Donne au changement une chance pour ton futur. Papa, tu parles comme un voyant. Où se trouve ta maison? Comme ça, je vais venir. Ne t'en fais pas, je vais très bien. Ok, papa. Mon enfant, donne au changement une chance. Seul un fou peut oublier les paroles de sa folie. Souviens-toi-en, ma fille. Merci beaucoup. Je suis confuse. Donne une chance au changement. Je ne comprends pas. Donne au changement une chance. Qui es-tu? Ifunanya, tu connais qui je suis. S'il te plaît, accepte ma proposition, s'il te plaît. S'il te plaît, on va en parler un autre jour. Cela fait plus de 3 mois maintenant. Ifunanya n'est pas de retour. Pourquoi? C'est évident qu'elle m'a oublié. Mais elle a promis de revenir me voir. Ifunanya, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu m'as quitté? En tout cas, je laisse tout dans les mains de Dieu. Je sais que mon Dieu m'aidera. Je sais. Si tu veux, reste là-bas, ne reviens pas.
Mon ami. Mouna. Tu es toujours content malgré ta condition. Ne t'inquiète pas de mon visage. Je me rends à l'intérieur. T'inquiète. Tout ira bien. Si tu le dis, merci. Alors, où est ta sœur? Mes sœurs ne sont pas là. Oh. Elles sont sorties. Oh. Est-ce que tu te rappelles de l'hôpital où tu étais allée? Oui, je me rappelle. Tu te rappelles du nom de l'hôpital? Je connais le nom. L'hôpital Saint-Grégoire. Ok, on va à l'hôpital maintenant. D'accord, mais pourquoi? J'espère que tout va bien. Oui, nous allons à l'hôpital maintenant même. Maintenant? Oui, suis-je pas ton ami? Je peux t'amener partout où je veux. Et tu n'as pas à avoir peur. Laisse-moi aller vite, ok. Ok, bien, reste là. Attends-moi, je vais fermer ça pour toi. Ferme la porte. Laisse ça comme ça. Il n'y a rien dedans que quelqu'un viendra voler. Ok, ok. D'accord. Lentement. Lentement. Ce docteur est un homme gentil. Hein? Oui, c'est oui, normal. Oui, c'est un homme gentil. Il a même. Infirmière. Oui. Fais son paiement et apporte-moi les reçus au bureau. Ok, monsieur. Salut. Oui, bonsoir. Je suis venue payer pour la consultation. Ok, alors combien? Je vais payer 300 000 naira pour l'intervention de neurologie. Ok, pas de problème. Ok, alors. C'est sur quel nom que je dois mettre sur la facture? Mouna. Mouna. Mouna, ouais. Docteur, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est quoi les diagnostics? Il a encore beaucoup de chance, parce que les deux lentilles oculaires fonctionnent encore. Mais 300 000 naira ne peut plus le faire, parce qu'il y a plus de travail à faire qu'avant. Ça va nous demander combien? Avec 500 000 naira, on aura suffisamment de temps de le faire. Ok. Et si je payais, comment on va procéder avec les traitements? Mouna. Hmm? Veux-tu payer l'argent? Est-ce que je t'ai bien entendu? Oui, Ebuka, tu l'as entendu. Merci beaucoup. Je t'apprécie, Mouna. Merci beaucoup pour ceci. Ne te dérange pas trop. C'est comme je te disais l'autre fois, que tout ira bien. Tout se passe bien déjà. Ah. Vous pouvez effectuer le paiement à la réception. Je serai dans mon bureau. Ok, j'arrive. J'arrive, hein? Attends-moi. Mouna. T'inquiète. Tu es une envoyée de Dieu. Merci beaucoup, Mouna. Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Qu'allons-nous faire vraiment? Hein? Hein? Est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas toujours entré. L'as-tu vu? Je n'ai vu personne. Mais franchement, il peut bien être où là? Hein? Il n'est pas encore de retour. D'ailleurs, toi là, qu'est-ce que tu faisais au marché? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Hey, sois la bienvenue. Oh. Hey, hi, notre ami. Oncle, salut. Sois la bienvenue. Bienvenue. Ton ami, ça fait un bon moment maintenant. On le cherche, on le trouve pas. Oui, c'est vrai, on le cherche depuis le matin et on ne sait même pas où il est parti. Calmez-vous. Hein? Je l'ai on amené à l'hôpital. Hôpital comment? Non. Est-il malade? Il était allé voir le docteur pour son opération. Non, je ne comprends pas parce que on le cherche depuis le matin. C'est depuis le matin qu'on est en train de le chercher. Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai payé la facture. Hein? Hey. Oh, Kouassi. Hey. Oh, oui. Mon Dieu. Tu veux dire qu'ils sont en train de l'opérer? Oui, bien sûr. Ha. Jésus. Merci. Seigneur. Mon Dieu. De rien. Tu merci beaucoup. Tu veux dire, mon frère peut recouvrir la vue? Il pourra te voir après l'opération. Hey. Oui. Mon frère peut voir encore? Oui. Hey.
Mon Dieu! Hey! Merci, beaucoup, tantine. Je te dis merci. Rien, tu te rappelles, je t'avais dit que tu auras un très bon mari. Oui. Le moment est venu. Amen. Hein? Amen. Hey! Si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce qu'il allait devenir. Dieu, je te dis merci. Mon Dieu! Dieu, je te dis merci. Hey, Jésus! Hein? Ah, Dieu, oh, oh. Merveilleux. Dieu, regarde ce que tu as fait. Regarde. Hey, Jésus. Merci beaucoup, mon Dieu. Ma soeur, notre frère a recouvert la vue. Ego. Prends ceci. Ok, ok. Elle va préparer, hein. Tu vas préparer pour nous. Je sais comment préparer. Nous fera un bon repas. Je sais comment préparer. Je vais vous les donner. Depuis quand tu as préparé dans cette maison? Ah, calmez-vous. Laisse-moi, non? Laissez-moi l'accompagner. Hey, okay. Si tu n'étais pas une femme, j'allais m'ingénuer devant toi. Non, pas jusque là quand même. Rassure-toi de faire une bonne soupe. Hein. Vous nous amènerez aussi à l'hôpital. Hein. Okay, bye bye. Laissez-moi l'accompagner. Au revoir. Tu es venu chercher l'argent pour l'intervention chirurgicale de ton mari. Alors ne l'oublie pas. Ne sois pas confuse. Donne au changement une chance. Débarrasse-toi de la pitié. Car ton avenir aux anges. Sache que Dieu n'a rien à voir avec la pitié. Donne la chance au changement. Et réfléchis au rythme de ta voix intérieure. Accepte ce changement. Accepte ce changement. Seul un fou ignore les paroles de l'esprit. Changement. Que la volonté de Dieu soit faite. Changement. Laisse-moi tranquille. La voix des esprits. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus. Je refuse. Je suis fatiguée. Je ne veux plus. Bonjour, monsieur. C'est toi. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler par monsieur. Ifunanya, as-tu à un moment donné pensé à ma proposition? Je suis confuse, monsieur. Je ne cesse d'entendre une voix. Je sais que tu es enceinte. Tu le sais? Tu vois pourquoi ça ne va pas marcher entre nous. Je ne peux pas te donner l'enfant d'une autre personne. Ça, ce n'est pas un problème. Ça ne peut pas être une raison que ça ne marchera pas. Quand l'enfant sera grand, nous allons le lui rendre. S'il te plaît, épouse-moi. Je dois d'abord lui parler. Je dois lui remettre l'argent pour l'opération. Peut-être qu'il verra à nouveau. J'ai peur qu'il te confonde. Non. Tu ne me rends pas confuse. Il a besoin d'argent pour son opération. Et je ne vais pas les décevoir. Je te donnerai l'argent. Hein? Merci, monsieur. Merci. Que Dieu te bénisse. Ifunanya, tout ce qui te rendra heureuse, je le ferai 1000 fois. Oui, on est arrivé. Wow. Allez, prends place, mets-toi. Oh, mets-toi confortablement, arrête ça. C'est ici ma maison. Tu as une belle maison. Merci et bienvenue. De rien. Waouh. Tout est vraiment. Waouh. Qu'est-ce que tu vas prendre? De l'eau. Ok, on peut commencer là.
Attends, mon, j'arrive. Hein? Un instant, j'arrive. Okwasi. Donc tu peux maintenant voir. Je vois très bien. Donc tu peux maintenant me voir. C'est moi. C'est Dieu. Dieu, c'est Dieu qui est fort. Merci mon Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Viens. Viens par ici. Viens par ici, il va te voir. Mais toi là, viens. Elle ici, est là devant parce toi. Parce que je te vois pas. Elle a porté une très jolie robe de couleur rouge. Donc tu vas pour de vrai, Ebuka. Donc oui. Tu vas vraiment. Regarde, oui, mon cher, j'ai combien de doigts? 5. Je remercie Dieu pour tout. Mais je vais aussi vous dire que Dieu a utilisé cette jolie demoiselle ici pour faire ce travail. S'il vous plaît, il faut la remercier pour moi. Si ce n'est pas grâce à elle, hein? Hey. Merci. De rien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu ne sais pas combien je suis content. Parce que c'est très difficile ces derniers temps de voir une jeune femme avec un cœur comme celui que tu as. Que Dieu te bénisse. Oui. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir une femme sortir son argent, se priver de ses besoins personnels juste pour aider un homme. C'est très difficile. Très dur. Les femmes préfèrent utiliser leur argent pour acheter des habits. Que Dieu te bénisse. Amen. Hey, je remercie Dieu pour tout. Merci. Merci, tontine. Tu as raison. Il faut que vous... Hey, allez. Tontine, pardon. Hein? Tontine, s'il te plaît, hein? Pardon, épouse notre frère. Marie-toi avec notre frère. Hey. Nous réfléchissons de la même manière. Tu sais, comme je t'avais dit l'autre fois, si tu n'étais pas une femme, je me serais mis à genoux pour toi. Non, arrête. Regarde, ne considère pas notre maison. Cet homme vaut beaucoup de millions. Je sais qu'il est riche à l'intérieur. Je sais qu'il serait un grand homme. Oui, il a raison. Écoutez, il n'y a pas une meilleure façon de faire une proposition. Hein? Nous t'avons déjà accepté dans notre famille. Oui. Ok, bien, je vais continuer à aller sur le dos. Tu me l'es, il est au lieu de mon mal, tu me l'es. You are the miracle in my life. Avant que je n'oublie, rappelle-toi, je t'avais dit que je vais te donner le vin de Pâques. Je n'étais pas en train de blaguer. Aujourd'hui, tu sauras pourquoi on m'appelle Soshima le faiseur de vin de palme. Attendez-moi, j'arrive. Ok, très comique. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Oui, c'est bien moi. Oui, les documents sont là. Oui, je vais les lire maintenant là. Mais les documents ne sont pas complets. Il y a d'autres documents ici que je ne vois pas. Il faudrait que tu viennes pour les compléter. Voilà donc. Bien. Papa. Ok, je te rappelle. Oui. Ebuka n'est plus aveugle. Ebuka a retrouvé sa vue. Hein? Ce n'est pas que ça. La bonne nouvelle est que Ebuka est maintenant riche. Il se marie avec une femme riche. Ebuka? Papa, notre Dieu est un Dieu de miracles. Il a élevé celui qui était le moindre dans un laps de temps. Ne vois-tu pas, notre frère Ebuka? Oh, attends, Nketi.
Es-tu sûr qu'il ne s'agit pas d'un rêve? Papa, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Hein? Ebuka, l'aveugle, oui, peut voir maintenant. Hein? Ebuka, l'aveugle, peut, oui, voir, papa, maintenant. Oui. Il est riche et marié, oui, à une femme très riche. Il vit dans une très grande parcelle. Oui, papa, c'est un miracle, je ne pense c'est pas vrai. Que ce soit vrai. C'est quel genre de miracle comme ça? Hein? Nketi? Oui, papa. Es-tu vraiment sûr que ce n'est pas un papa, rêve? Papa, mon cousin peut voir maintenant. Il est riche. Il part habiter la cité. Je vais commencer à aller le visiter. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en d'ici. Papa, je t'amène un verre de boisson. Comme ça, tu vas bien célébrer cette nouvelle. J'arrive. Hey! Ebuka. Ok, vous êtes prête? Nous allons partir maintenant. Hey, vous êtes déjà prêt à partir? Oui. Hey, franchement, vous allez beaucoup nous manquer. Oh, hein? Hey! Ebuka, s'il te plaît, mon frère, je vous souhaite vraiment toutes les bonnes choses du monde. Dieu va bénir votre union. Amen. Ce que j'essaie de te dire est que le Seigneur sera toujours avec vous. Vous êtes des très bonnes personnes. Nyakonia, s'il te plaît, prends bien soin de cette fille. Ce qu'elle a fait pour toi, ce n'est pas n'importe fille qui peut le faire. Et jolie demoiselle, regarde mon frère, regarde-le bien. Prends bien soin de lui. Hein? Oui, s'il je te le plaît, ferai. Fais-le pour nous. Oui, je prends sais. Soin de lui. Hein? Dieu va te bénir. Pour ce que tu as fait, Dieu ne cessera de te bénir. Amen. 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 Et j'aimerais également te remercier pour avoir accepté de partir avec notre bébé de la maison Zamzam. Tu dois faire attention, tu dois beaucoup contrôler ses jambes. Oh. Oui, parce que elle se promène beaucoup. Quand tu iras là-bas, respecte-la. Ne sois pas têtu. M'as-tu entendu? Ouvre grandement ses oreilles. Et ma prière est que... Regarde-la. Ego. Cet homme ici. Franchement, ma prière est que tu prospères à tous égards. Je prie que ce garçon qui l'a suivi vienne l'épouser. De qui il s'agit même? Ike, elle sait, Ike. Mais qui a apporté les boissons? Eh oui, il doit venir, non? Le temps presse. On a aussi besoin de... écoutez, hein? Vous êtes notre fierté. C'est ça. Franchement, tu dois faire de ton mieux parce que... je ferai mieux de m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup. C'est bien. J'apprécie. Merci beaucoup, Jimé, mon frère, de faire partir de ma vie en m'aidant, de même que mes sœurs. J'apprécie. Je veux aussi profiter de cette occasion pour l'apprécier. Pourquoi? Oui. Si ce n'est pas parce qu'elle m'avait laissé seule en route le jour-là, je n'allais pas rencontrer mon ami. Donc je dis, à la prochaine fois, tu peux me laisser partir. Comme ça, je vais rencontrer ma fortune. Tu veux rencontrer une autre femme? Non. Mais il faut être clair. J'ai déjà trouvé ma femme. Je parle d'une autre bénédiction. Une autre bénédiction, ça ok. Va? Merci beaucoup, j'apprécie. Nous allons partir maintenant. Ok. Ouais, allons-y. Très bien. Oui, allez, mon frère. Donne-lui le sac. Ça. Donne-lui le sac. Bye-bye. Ego, ne traîne pas haut. Juste accompagne-les à la voiture et tu rentres. Ok, bien. Toi, tu es resté, tu vas commencer à l'aider avec le vin de palme, hein? Toc, toc. Y a quelqu'un? Ebuka? 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 Zara? Non. Excuse-moi s'il te plaît. J'aimerais te poser une question. Ouais? Je cherche Ebuka. Est-ce que c'est Ebuka par hasard? Ebuka? Oh oui, il est parti avec sa nouvelle femme et ses sœurs. Quoi? Sa nouvelle femme? Il s'est marié? Oui, bien sûr. Ok, merci. Thank you.
savais pas que les hommes étaient comme ça. Le seul Ebuka que je connais. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Mais je t'avais dit ça, ma sœur. Je t'avais prévenu. Mais tu ne voulais pas écouter. Comment peux-tu être sûr qu'il était aveugle? Il avait juste fait ça pour t'escroquer. Le pire dans tout ça est que je suis enceinte d'Ebuka. Quoi? Enceinte? Et comment? Que vas-tu faire maintenant, ma sœur? Je vais avorter ces bébés. Je vais tout effacer concernant Ebuka. Ok, ma sœur. C'est une bonne idée. Je suis avec toi. Ni t'étais à cause de cette pluie, j'allais rentrer directement au Necha. Ma sœur, je suis là pour toi. Tina, ça c'est bon. J'ai besoin de rester seule un moment. Ma sœur. Tu es déjà revenu? Tu as pleuré? Pourquoi? Parle-moi. Est-ce qu'elle a rejeté l'argent? Ne pleure pas, s'il te plaît. Peux-tu imaginer qu'Ebuka s'est déjà marié? Il ne m'a même pas attendu. Est-ce que c'est pour cette raison que tu pleures? Allons, je pensais que c'était quelque chose de grave. Ne t'en soucie pas. Ok? Je veux que tu m'aides. Dis-le. Quoi que tu veuilles, considère que c'est fait. Je dois avorter. Je ne peux pas garder ces bébés. Allons, bien que je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui te fasse le rappeler, je ne peux pas te permettre de nuire à la vie d'un innocent bébé. Je ne veux rien qui me rappelle Ebuka. Je ne veux rien de lui. Oh non, Osier, non. Ebuka. Ebuka est très méchant. Je ne saurais pas élever cet enfant. Ifunanya, je comprends que c'est un homme très, très méchant. Mais s'il te plaît, que je sois pour toi l'homme que tu as toujours voulu. Épouse-moi, s'il te plaît, Ifunanya. J'accepte de me marier à toi, mais à une seule condition. Je dois à tout prix avorter. Regardez comment Zaram est belle. Elle n'est plus comme une villageoise. Oui, ouais. Elle est maintenant une citadine. Ouais, c'est vrai. Waouh. Je t'avais promis de témoigner mon amour à tous les membres de ta famille. Oui, tu l'as dit. Et tu le fais même plus que je l'attendais. Waouh, regarde comment ma sœur est mignonne. Très oui. Belle. Hey. Ça va, je t'apprécie pour ceci. De merci rien. Merci beaucoup. Hein? De rien. Ah. Hey, Jessica, s'il te plaît, rends-la plus belle pour nous. Hey, transforme-la très bien. Elle n'est plus une villageuse, vous ne voyez pas? Elle est maintenant oui. Une citadine. Donc, rends-la très belle pour nous. Hein? Allez, bye. Je vais quelque part, on se verra bonne après. Bonne route. Au revoir, chérie. Merci. Yeah, la jolie demoiselle de la cité. Merci.
Merci. Ne fais pas traîner le produit, hein. Fais juste le gonflement, d'accord? Oui. Tu seras toute belle. Chérie, je me disais que ça sera possible pour toi que tu viennes nous rejoindre au bureau au lieu de rester seule à la maison. Comment tu trouves l'idée? Non, je ne viendrai pas. Pourquoi? Tu sais, je vais me débrouiller tout seul et gagner de l'argent. Je veux être ton mari. Mais tu es déjà mon mari. Je sais. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça, d'accord? Mais pourquoi? Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu ne veux pas? Tu ne veux pas prendre mon offre? Écoute. Bébé, je suis un Africain. Je veux gagner mon propre argent en tant qu'un homme. Je vais me débrouiller et me construire par moi-même en tant qu'homme. Afin que quand je te parle, tu vas obéir. Je comprends, maintenant je comprends. Même si tu me rejoins chez nous au travail, tu seras payé. Je sais cela. Tu sais quoi? J'ai servi mon patron dans les affaires durant 7 ans. Ok. Il n'a pas pu me régler parce qu'il a eu un problème dans ses affaires. Je vais bien réussir dans les affaires. Au lieu d'aller travailler dans un bureau. Ok, c'est bon. Ok, c'est compris. Ok, c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. La chose est que je veux juste... Je ne sais pas. Je souhaite que je pourrais trouver 1 million de naira chez quelqu'un pour démarrer mes affaires. Dans 6 mois, je vais retourner l'argent à cette personne. Ok. Parce que je sais que je suis doué dans les affaires. Je ne sais pas comment je vais faire, mais ça va. Alors, tu veux du cash ou qu'on te fasse un transfert? Ce qui veut dire que tu veux me donner cette somme? Oui, je vais te donner cet argent. Wow. Bien, demain je vais aller à la banque pour mon numéro de vérification. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Et quand je finis, je vais te donner le compte bancaire et tu me feras le transfert. Wow. Je souhaite que nous ayons un bébé maintenant. Un instant, j'arrive. Oh, ma sœur. Papa et Bouka. Papa et Bouka. Devine qui nous avons ici. Ma sœur Ego est venue. Frère Ebuka, devine qui on a ici. Ma sœur Ego. Qui est là? Hey. Ah. Wane. Mon frère. Ego. Je te salue. Ego, bienvenue. Ça va? Wow. Ego.
Hey, regarde comment tu es belle, Mena. Hein? Donc, vous êtes en train de vivre dans cette cour. Ah oui? C'est grâce à ma femme. Oh, tu es la bienvenue, ma chérie. Kaïma? Oui, tantine. Chinaza qui est là? Et ma sœur. Ma petite sœur. Elle est bien. Uh-huh. Elle est bien comme toi. Merci. Naza? Grande sœur. Kaïma est ma belle sœur. Ok? Alors, je veux que tu la considères comme ta sœur. Kaïma, je veux que tu prennes Chinaza comme ta sœur. Oui, ok? Je veux le faire. Alors, je veux que toutes les deux, vous puissiez très bien vous attendre. Ok? Chinaza. Ma sœur. Ça, c'est la maison de mon mari. Juste, sens-toi à l'aise. Comme tu peux le voir, Dieu nous a répondu. Je suis heureuse pour toi, ma sœur. Merci beaucoup. Je suis heureuse parce que tu es maintenant dans les bonheurs. Même si ce n'est pas avec cet aveugle des boucs. Oh, Chinaza, oublie ça. Celui-là, c'est le passé. Ok. Ma sœur, tu sais que je n'ai pas de téléphone. Attends, oh. Tu n'as pas une quintessence de demander quelque chose? C'est vrai. Dès que mon mari sera de retour, je vais t'acheter un téléphone. Ouais. Ok, moi, un téléphone aussi. Mais tu as déjà un téléphone, Kaïma. Non, je n'aime plus. Ok, vous savez quoi? Je vais acheter les téléphones pour vous, les filles. Ok? Merci, ma sœur. Je vais pas mon téléphone, je vais Samsung. Regarde-moi cette petite fille. Mais tu as déjà un téléphone Huawei. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec un Samsung? Non, je vais vous acheter des nouveaux téléphones, mais ce sera de la marque Huawei. Et si tu réussis à l'école, je vais t'acheter un Samsung, ok? Promis, hein? Oui, promis. Je le promets. Promis. Oui, c'est promis, j'irai. Je veux que tu me promettes. Ok, je le ferai pour toi. Oui, oui, maman. Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Tu ne dis rien. Ah, tu as vu ta soeur, je t'avais dit ça. Oh, va m'apporter de l'eau, s'il te plaît, j'ai soif. Ma soeur, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, je vais te montrer. Tu vois cette voiture? C'est la voiture de tontine qu'elle avait amenée l'autre fois quand elle était venue chez nous. C'est ça. Ma soeur, tu vois celle-ci, hein? Elle a amené au frère Ebuka. Tu es sérieuse? Ma soeur, crois-moi, je suis sérieuse. Tu veux dire notre frère Ebuka a maintenant sa propre voiture? C'est comme tu le dis, ma chère, je jure, c'est vrai. Ma soeur, tu peux bien parcourir la voiture et bien voir comment c'est une belle caisse. Tu veux dire que c'est la voiture d'Ebuka? Crois-moi, non, tontine a amené ça pour notre frère Ebuka. Maintenant, mon frère a une voiture. Qu'est-ce que tu crois? Dieu, je te dis merci. Ma sœur, viens entrer dans le confort. Viens entrer dans le confort, tu vas sentir. Tu es sérieuse? Tu as senti comment il fait beau à l'intérieur, hein? Ça, c'est une vraie caisse, crois-moi. Dieu. Ma sœur, est-ce que tu as bien regardé cette voiture? Tu es prête? À propos de la fille qui a pris ton argent. Oui. Est-ce que tu sais là où elle habite? Tu es sûre? Bébé, il faut que j'aille là-bas. Bye. Allons-y. Allez, bonne route. Ouais, qui est là, entrée? Bonjour, monsieur. Salut. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Nous cherchons Kaïma. Oui, Kaïma. Kaïma! Kaïma! Oui, grand frère. Viens. Oui. Ah, ma chérie.
frère Césaire, c'est auprès d'elle que j'avais prêté l'argent. Oh, bien, je lui ai demandé de lui dire de venir avec un tuteur. Parce que je veux vérifier si vraiment l'argent lui appartient. Ah, très bien. Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez, nous devons garder nos yeux sur elle pour qu'elle ne fasse pas d'erreur. Kaima. Oui, grand frère. Va appeler ma femme. Dis-lui de venir avec l'argent. Hey. Autant pour moi, avant que nous soyons emportés par beaucoup de conversations, que puis-je vous offrir? Non, ça va. Il n'y a rien qui m'intéresse en ce moment plus que ce qui nous a conduit vers ici. Si tu le dis. Vous nous avez tout offert déjà. Merci. Je crois que moi, je... Chérie, c'est ça. Ah, ok. Merci, chérie. Le voici. Merci beaucoup. C'est gratuit, c'est gratuit. Eh bien, je m'appelle Monsieur Ebuke Friday. Puis-je connaître votre nom aussi? Bien, je m'appelle Gosier. D'accord, merci beaucoup, Gosier. Monsieur, nous allons prendre congé de vous. Oh, non, non. On a un autre endroit. Allez aussi. Bye bye. D'accord, merci. De rien. Plus. Merci. Kaima, accompagne-le à la porte. D'accord. Ça a été là où vous étiez parti avec... Ouais, c'était bien. Tu ne peux pas croire ce qui s'est passé. Quoi? Je n'arrive pas à croire que les gens puissent être si gentils pour avoir gardé l'argent perdu qu'ils ont trouvé pour que le propriétaire vienne le récupérer. Nous y sommes allés. Une fille de son âge a fait sortir l'argent et... lui a remis. Ah, je vois. C'est pour te dire que les gens peuvent être si gentils. C'est très gentil. Ça te va, la vie, hein? Je n'en avais aucune idée. Ça te va très bien. Et tu es mignon avec ça. Ifunaya, écoute. Je ne sais pas, tu es... bien? En te voyant ce moment, tu es très très belle, Ifunaya. C'est qui Ifunaya? Non, est-ce que j'ai appelé? Non, est-ce que j'ai dit quelque chose du genre? Tu viens de dire que tu es tellement belle, mon Ifunaya. C'est qui Ifunaya? Bébé, mais je n'ai pas mentionné le nom de aucune... Ifunanya, c'est un mot. Un Igbo. Bien sûr, tu devrais savoir. Peut-être j'ai essayé de dire... Afunginayam, tu sais, comme Ifunayam. Du genre, tu es mon amour. Donc, je ne fais allusion à personne. Je ne suis pas sourde. Je suis très lucide, Bouka. Je t'ai bien entendu. Tu as dit Ifunaya. C'est qui Ifunaya? Je ne suis pas une enfant, Ebuka. Attends. Ne pousse pas à te suspecter, sinon ça ne sera pas intéressant. Mon amour, je suis désolé. Juste, oublie ça. Ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Tu sais, nous étions de bonne humeur avant. Je ne veux pas gâcher cette humeur. S'il te plaît, gardons cette humeur. Arrête, je ne suis plus d'humeur. Allez, arrête.
Bébé? C'est qui Ifunaya? Je t'ai bien entendu. Dis-moi, qui est-elle? Mais bébé, ce n'est... Oh, tu n'es pas prêt pour parler. Bébé? Bonjour mon frère. Bonjour ma chère. Chérie, tu es prête pour partir? Bébé, je suis désolé. Pardonne-moi. Tansin Mouna, avant ton mari, s'il te plaît, pardonne-lui. Mon frère, présente tes excuses. Mon amour, je dis je suis désolé. Pas de problème, on peut aller? Non, vous avez oublié de vous embrasser. Ok. On peut aller maintenant? Mon amour, vous êtes de retour. Oui. Où vas-tu? Bien, j'ai un rendez-vous que je ne dois pas manquer. Je suis même en retard. Rendez-vous avec qui? Tu connais les parents de la fille qui a pris l'argent? Oui, je vois. Je vais aller les voir. J'ai quelque chose à discuter avec eux. Donc c'est ça. Tu aimerais y aller avec moi? Je l'ai vue hier. Elle est ton amie. Tu peux la voir à tout moment. Ok. D'accord. Ah, tu crois que c'est nécessaire pendant qu'elles se sont vues hier? Non, elle n'a pas besoin de partir. Oui, mais peu importe. D'accord. Ok. Donc, je veux qu'elle se familiarise entre elles. Cette fille est une bonne fille, hein, donc je veux qu'elle lui transmette ses bonnes manières. Je oui, vois. C'est pourquoi. Donc, on se verra après. C'est bon. Prends soin. D'accord. Au revoir. Bye. Merci. Bonne route. Chérie, fais très attention. Tu ne veux pas nous laisser nous asseoir? Non, Ebuka. Juste reste là et dis tout ce dont tu as besoin et après quitte ma maison. Bien, ma petite sœur a demandé de voir son amie, donc je l'ai accompagnée. Ah, Ebuka, tu sais que tu es un menteur? Zara, s'il te plaît, attends-nous dehors. Ok. Tu sais bien que tu mens. Alors pourquoi tu mens aussi dans le nom de ta sœur? Ifunanya, comment pourrais-tu me laisser après toutes tes promesses? Ebuka, tu as un pierre à la place de cœur. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai un cœur de pierre »? Oh, tu l'as épousé à cause de l'argent, n'est-ce pas? À cause? Mais de quel argent parles-tu? Ebuka, t'es très méchant. Et comme tu peux le voir maintenant, je suis une femme mariée. Alors, reste loin de moi. Ok? Je ne vais nulle part. Je suis venu ici pour qu'on discute.
Désolée, on n'a absolument rien à en parler. D'accord? Juste, reste très loin de ma maison. Puis-je avoir ton numéro? Tu sais que cela n'est pas possible. Ça va. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Hein? Je vais rester ici jusqu'à ce que tu me donnes ton numéro. Ou soit tu veux que je reste ici jusqu'au retour de ton mari et tu sais ce que ça veut dire. Passe-moi le téléphone. Tu peux partir. J'ai dit, tu peux partir. Je te prépare. D'accord. Tu peux partir. Tu sors, chérie? Oui. J'ai un rendez-vous. Mais nous sommes samedi, chérie. Mes cousins seront ici et toi, tu ne seras pas là. Oui, je le sais. Mais cette rencontre est très importante. Peut-être je viendrai plus tard. Es-tu sûre? Est-ce que j'étais une fois déçu? Laisse-moi. Sois un bon garçon. Je suis toujours un bon garçon. Tu es mignon. Merci. Regarde-la. Bonjour, grand frère. Bonjour. Bonjour, ma belle. Tu es en train de passer ta matinée à regarder la télévision. Mais je n'ai rien à faire, non. Mais du moins, as-tu mangé? Oui, j'avais mangé. Elle me dit la vérité? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris du thé. T'as pris du thé? Chérie, je vais me dépêcher. Je reviendrai avant l'après-midi. C'est bon, bébé. Fais-le et reviens-moi vite. Je n'aime pas m'ennuyer. Toi, être ennuyée avec cette fille ici. Oui, c'est toi que je veux. Ça, c'est tout de ta part. T'inquiète, je serai là bientôt. Caïman, oui. Sois une fille gentille. C'est bien, amène-moi quelque chose. Bien sûr. Bébé. Ouais, chérie. Sois sage. D'accord, toi aussi. Hein. Bye bye. Ok. Allô? Madouka? Pourquoi m'as-tu appelé? Je t'avais dit de ne pas m'appeler. Je suis une femme mariée. S'il te plaît, ne m'appelle plus. N'importe quoi. Tantine, c'est qui? C'est pas important. Laisse tomber. Ok. Caïman, où est ma sœur? Je pense qu'elle est dans la cuisine. S'il te plaît, va l'appeler. Ok, je vais. Allô? Oui, c'est mon mari. Quoi? Il est mort? Où? Comment? Qu'est-ce que tu essaies de dire par le corps? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Hé! Hey, Chinasa! Naïma! Venez vite! Le pire est arrivé! Hé! Hey, je suis foutu! J'ai tout dû. Mais c'est quoi le problème? Écoutez les filles, écoutez, je viens de recevoir un appel. Ils m'ont dit que Ngozi Adanna a connu un accident et il est mort sur le champ. Ils m'ont dit de venir tout de suite. Je suis Vichy.
Qu'est-ce que je veux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je veux faire? Oh mon Dieu! Oh non! Non, 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 non. C'est pas mon frère! Oh, pourquoi son numéro n'est pas connecté? Qu'est-ce qui pourrait clocher chez elle? À quoi penses-tu? Mes marchandises. Mes marchandises. Hein? Ta marchandise? Oui. Grand frère, l'oncle de mon ami est mort. Qui est ton ami? Mon ami chez qui on était allé récupérer mon argent. Son oncle est mort d'un accident. Hey. Oh! Chai! Accident quoi? Ah! Ça va être vraiment une mauvaise année pour Ifunanya. Efo. Hein? Ifunanya encore? Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, tu dois aller voir ton ami tout de suite. Mais ils ne sont pas encore rentrés au village. D'accord. Zaram, tu peux aller à la maison, je vais parler avec mon mari. Ok. C'est qui Ifunanya? Tu m'as entendu et moi aussi. C'est qui Ifunanya? Ifunanya, s'il te plaît, arrête de te sentir mal. Je comprends tes douleurs. Je sais comment tu te sens maintenant, mais tu ne peux pas te tuer non plus. Tu dois juste être forte. Dans cette vie, il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Je crois que là où se trouve ton mari en ce moment, il est dans un meilleur endroit. Tout ce que tu dois faire, c'est d'être forte et de prier pour lui. Cesse de pleurer et va de l'avant. D'accord? Tout est bien. Ebuka, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Kosie n'est plus. Je n'aurai plus personne. Écoute, Ifunanya, je ferai toujours de mon mieux pour être là pour toi. Ouais. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Je vais essayer de te le fournir. Sache que je suis là pour toi. Je viendrai de temps en temps pour prendre de tes nouvelles, d'accord? Sois forte. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Je dois prendre congé de toi maintenant. Cesse de d'accord. pleurer, d'accord? Zaram? Oui, tontine. Viens. Allez, prends place. Quel est le nom de la tontine de ton ami? Elle s'appelle Ifunanya. Elle est l'amie de mon frère. Oh! Ifunanya? Oui, ok.
Ça va, tu peux aller à la maison. Hé hey, bébé, ça va. Waouh. Tu m'as pas dit que tu te voyais avec ton ex. Dis-moi, vous êtes toujours en relation? Qui? Oh, je ne suis pas une enfant, Ebuka. Ne m'énerve pas. Bien. Ifunaya était mon ex et je... Je n'ai plus rien de sérieux à faire avec elle. Alors pourquoi me tourner en bourrique? Tu sais ce qui s'est passé dans ma tête maintenant? Bébé, je suis désolé pour ça. Désolé. Bien. Maintenant que son mari est mort, promets-moi que tu n'iras plus la voir. Je promets que je ne la reverrai plus. Tu sais que je t'aime. Allez. Arrête. Allez, arrête. Je ne veux pas, arrête. Qui est-ce? Ebuka? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches qui? Mon amour, je sais qu'on a certaines choses à régler. C'est pourquoi je suis ici. Parlons, essayons de discuter. Est-ce que je t'ai bien entendu dire, mon amour? Ebuka. Ebuka. Tu es méchant. Ebuka, j'étais venue à Onecha pour rassembler de l'argent pour ton opération. Oui, je sais. Ebuka, j'étais revenue avec la somme des 300 000 naira. Et j'avais découvert que tu étais déjà mariée. Et tu étais déjà partie avec ta femme et tes sœurs. Je m'attendais à ce que tu reviennes, mais tu n'es pas revenu avec Ebuka, l'argent que je cherche. Tu n'as pas de cœur. Non. J'étais tombée enceinte de toi. Mais j'étais obligée d'avorter. Parce que je ne voulais que rien ne puisse me rappeler de toi. Ifunaya, attends. Premièrement, tu as dit... Tu es revenu avec les 300 000 naira. Oui, c'était ça. Je n'ai jamais su. Je pensais que tu étais parti et tu m'avais abandonné. Je n'ai jamais su que tu étais revenu avec l'argent. Bien, deuxièmement, tu venais de dire que tu étais enceinte. Quoi? Pour moi? Donc cela veut dire que... Mon amour, je ne savais pas. Je ne savais pas que ce qu'on avait fait le jour-là pourrait conduire à... S'il te plaît, je suis désolé. Donc tu as traversé tout cela à cause de moi? Je n'ai jamais su. S'il te plaît, peux-tu arranger, hein? S'il te plaît, chérie. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, d'accord? Merci. Je suis désolé, ok? Ebuka, sors ma maison tout de suite et ne reviens plus jamais. Chérie, qu'est-ce que c'est? Ifun, hein? Ifun. Je dis, dégage d'ici. Ça va. Je vais appeler la police si tu insistes. Ça va, ça va. Ne remets plus jamais tes pieds ici. Je dis, va-t'en. Bébé, tu as des dreadlocks. Ouais, dreadlocks. Ok. Même quand j'étais pauvre, j'en avais. Maintenant, je suis riche, j'ai toujours mes dreadlocks. Ça fait ta beauté. Ah oui, c'est ça. Quelqu'un frappe. Oui.
Qui est au portail? Zaram? Zaram? Oui, grand frère. Va voir qui est au portail. Je ne pense pas que Mourofo est là. Ok. Mais toi aussi qui frappe doucement, non? Salut. Ça va? Comment vas-tu? Bien. Ma belle-sœur m'a demandé de te donner ça. Tu avais oublié ça à la maison. Oui, okay. C'est le mien. Merci, c'est mon portefeuille et tout est intact. C'est qui ta tantine? C'est tantine Funaya. Tu n'aurais pas dû te gêner en me l'apportant. Hein? Je serais venu pour le prendre moi-même. En tout cas, tu l'as déjà apporté. Merci. Ce n'est pas grave, monsieur. Je rentre maintenant. Ok, au revoir. Je l'accompagne. D'accord. Ça va. Hey. Les dreadlocks. Funaya. Donc tu continues à voir Funaya. Quoi? Tu continues d'aller chez elle. Donc vous couchez ensemble, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que cela veut dire? S'il te plaît, arrête ça. Je n'ai rien à faire avec elle. Je vais juste là-bas pour la consoler, c'est tout. Oh, oh. Donc c'est toi qui as tué son mari? Non, parce que tu vas là-bas pour la consoler, donc ça veut dire que c'est toi qui as tué son mari. Excuse-moi. J'ai fait quoi? S'il te plaît, arrête ça. Pourquoi je ne peux pas te soupçonner, Ebuka? Est-ce que tu t'entends parler? Pourquoi je ne peux pas dire ça? C'est ici que nous avons tenu conversation la fois dernière. Nous nous sommes convenus que tu ne devais plus aller chez elle. Voilà que sa sœur revient avec ton porte-monnaie que tu as oublié dans leur maison. Si je parle, tu me demandes pourquoi je suis en train de dire ça. Je ne te comprends pas. Arrête ça, non? D'accord, ça va, je suis désolé. Tu es désolé, pourquoi? Ebuka, c'est quoi ton problème? Tu ne réfléchis pas? Ebuka, tu ne dis rien. J'ai relevé ton niveau. Nous nous sommes convenus que tu ne devais plus encore aller la voir. Ça veut dire quoi? Quand sa nièce vient ici avec ton porte-monnaie, que tu avais oublié chez elle, et si j'ose parler, tu veux m'interdire? Dis-moi, je n'ai pas ces droits. Désolé, je suis désolé. Quelle bêtise! Tu es en train de me tricher! Tu oublies ton porte-monnaie chez ton ex, on retourne ici et tu ne veux pas que je parle. Mais ça va, non? Ne m'appelle pas bébé. Attendez, qui est cet animal qui a porté ce portefeuille? Quelle est cette idiote? Quel est ton nom même? Kaima ou je ne sais quoi? Tu t'appelles Kaima mais tu ne peux pas réfléchir, idiote, atolo. Que je vois encore tes pieds dans cette maison? Des gens qui ne peuvent même pas utiliser leur cerveau. Aïe. Chérie, je suis désolé. En fait, je suis allé là-bas, mais... Comment j'ai pu même oublier mon portefeuille là-bas? Kaima, oui? Je suis désolée pour la disparition de ton frère. Ma chère, c'est bon. C'est bon. Je crois que tu as arrêté de pleurer. Tu veux parler de pleurer? Ma chère, je ne pleure plus encore. Toutes mes larmes ont tari. Tu sais, mon frère a été celui qui m'a élevée et il a été la seule famille pour moi. Alors, sa mort a été un choc pour moi. Mais c'est bon, on ne peut pas questionner Dieu. Écoute, je peux parler à mon frère pour que tu viennes rester avec nous. Non, pas ça. Je pense à Tatine Funaya. Elle est vraiment une très bonne femme. Es-tu sûre? Bien sûr. Ok, si tu le dis. Alors, tu n'étais pas venu me voir, cela veut dire que je ne te manquais pas. J'étais venu te voir, on m'a dit que tu étais allé au village. Maintenant, je suis rentrée, non? Ah, tu sais que je ne peux pas aller là-bas seule. Je te dis, Zara, les jours où tu étais venu avec ton frère chez nous, tu avais appelé la femme de mon frère par son nom, tu l'as connue avant? Je l'ai connue au village, elle était l'amie de mon frère. Amie? C'est quel genre d'amitié comme ça? Oublie ça, hein? C'est une longue histoire. De toutes les façons, on n'a rien à faire. Oh, je dois faire la lessive, viens m'aider. Je viens t'aider. Viens me prendre ici. Oh, regardez-moi celle-ci. Ok, bien. Allez, viens m'aider. Si j'ai fini de faire la lessive, je te le dirai. Tu mens. Allez, s'il te plaît, non? Viens.
Bébé, il y a quelque chose que je vais te dire. J'espère juste que tu ne seras pas en colère. Qu'est-ce qui peut être plus pire que ce qui se passe déjà? D'accord, mais essaie de me comprendre. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Eh bien, j'essaie de suggérer. Tu sais, tu connais Ifunaya. Donc, j'essaie de voir. Je suis seulement... J'ai vérifié, tu sais. Regarde tout dans ce sens. J'essaie juste de te suggérer. Je pense que c'est mieux de lui permettre de venir rester chez nous. Tu sais, depuis que son mari est mort, elle a souvent ce traumatisme émotionnel et des problèmes. Pour être seule, donc, je pense qu'on pourrait lui accorder cette chance de venir rester ici avec nous pour quelques temps. C'est ce que je veux te dire. Ka, pourquoi tu es en train de tourner en rond? Pourquoi tu ne vas pas directement à la cible? Dis-moi juste que je veux que Ifunanya vienne ici comme ma seconde femme. Arrête de me mettre dans des confusions, non? Non. Non, sois clair. Je n'ai jamais dit ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Je n'ai même pas pensé de ça. D'accord? Donc, non, écoute, écoute. Ce que je dis, c'est que, tu sais, pour qu'elle reste seule, elle traverse beaucoup de choses. Traumatisme émotionnel, en ce moment même, je sais cela. Donc, j'essaie juste de voir si nous pouvons l'aider en l'hébergeant afin qu'elle oublie certains trucs. Certaines choses, au lieu de la laisser seule dans cette situation, c'est tout. Je plaide seulement, c'est une suggestion, tu sais, elle a ce traumatisme comme un problème émotionnel. Ebuka, tu as les kilos. Ebuka, tu n'as pas froid aux yeux. Tu te mets là devant moi, ta femme, et tu me dis que c'est une suggestion. Qui est Ifunanya pour toi? Qui est-elle? Nous sommes sortis ensemble. Oui, nous sommes... Vous étiez en relation et maintenant tu as vraiment le kilo de venir te mettre devant moi. Tu oses me dire que tu veux appeler ton ex pour venir habiter avec nous. Ta femme et toi. Tu ne cesses de me dire que son mari est mort. Elle est inquiète, elle a la phobie, elle est malade. Donc tu es devenu le docteur qui prend soin d'elle depuis que son mari est mort. C'est arrivé jusque-là. Tu es le docteur de phobie, n'est-ce pas? Tu veux ramener ton ex? Je ne comprends pas. Essaye de m'expliquer. Bébé, essayons de... Non. Ne t'approche pas de moi. Reste là. C'est arrivé jusque-là. Reste loin. Je suis seulement... J'essaie de parler ici comme une humaine. C'est juste une suggestion. Mais si tu n'es pas d'accord, pas de problème. On peut oublier ça. Ça va. C'est une suggestion. Tu m'es suggéré. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends toujours pas. Essaye de me faire comprendre. Est-ce que tu réfléchis? Tu veux ramener ton ex ici pour habiter avec nous. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu t'entends parler? Le docteur de phobie. Merci de m'aider, hein. Vraiment, tu m'as beaucoup aidé. Si tu n'étais pas là, je serais toujours en train de faire la lessive jusqu'à maintenant. Je suis là, ne me fais pas oublier. Merci beaucoup. J'ai besoin des explications, vas-y, commence. Kayama, la vérité est que Tantine Ifunanya était la fiancée de mon frère dans le passé au village. Cela veut dire? Jusqu'un jour, il avait des problèmes aux yeux, il était devenu aveugle. Et Tantine Ifunanya avait promis de réunir l'argent pour son opération. Et là, c'était le dernier jour que nous l'avons vu. Jusque le jour où nous l'avons vu dans votre maison. Mais moi, j'avais béni Dieu. Il avait envoyé Tantine Mouna. Elle a secouru mon frère. Elle nous a aussi sortis de la pauvreté.
ces histoires existent, oh. C'est vraiment sérieux. C'est très sérieux. Mais Zera, je pense qu'il y a une chose qui manque dans cette histoire. Parce que Tantine Funaya que je connais ne peut pas faire ça, tu sais quoi. Quand je serai à la maison, je vais la lui demander. Ne sais même pas. Si mon frère apprend que nous avons discuté en ces sujets, il va me tuer. Ok, pas de problème, Tanti Zara. Ça va rester entre nous. Quoi, non? Ça va rester notre secret, hein? Je m'appelle Mouna. Mouna. Mais pourquoi tu pleures? Je suis la femme de Ebuka. Tu essaies d'insinuer que c'est à cause d'Ebuka que tu pleures comme ça? Ifunaya, je connais ton histoire avec Ebuka. Mais crois-moi, je ne l'ai pas ravi de toi. Je l'ai juste aidé. Et en le faisant, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose en retour. Ok. Maintenant, je comprends pourquoi tu es là. Oui. Comprends-moi, mets-toi à ma place, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je ne sais pas jusqu'où vous êtes allés ensemble. Mais s'il te plaît, je te demande, arrête de voir mon mari. Mon mariage est dans le déséquilibre. C'est bon, Mouna. Je ferai de mon mieux. Je sais quoi faire. Ok? Ok. C'est bon. Arrête de pleurer. Ok. Allô? Chinasa? Où es-tu? Ah! S'il te plaît, fais-le rentrer à la maison. J'ai très faim. Ok, je t'attends. D'accord. Ebuka, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je dis, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Calme-toi et accueille-moi très bien, non? Hein? Ebuka, ta femme était ici aujourd'hui. Comment ça? Est-ce qu'elle t'a créé de problème? Non. Tu as épousé une très bonne femme. Pourquoi tu veux briser son cœur? Est-ce qu'elle t'a dit que je la quitte? Tu as épousé une bonne femme. Elle t'aime. Et elle mérite le respect venant de toi. Pourquoi serait-elle venue ici? Elle n'a aucun droit de te confronter ou quoi que ce soit. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Mounati. Mouna. Mouna. Mounati. 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 Moi. Bienvenue. Qui est ton moi? Mounati, pourquoi tu es allé chez Ifunaya? Ah, c'est pour ça que tu es agité? Je te demande à nouveau, qu'est-ce que tu as dit à Ifunaya? J'étais allé dans la maison de Ifunaya pour lui expliquer le climat dans lequel nous vivons. As-tu perdu la tête? Es-tu folle? C'est tout ce que tu peux dire. Écoute, Mounati, je suis l'homme de cette maison.
et tu n'as pas le droit de faire justice toi-même. Ne répète plus ça. Comment tu pouvais aller chez elle pour lui dire que je ne suis pas seulement au courant, mais que je suis aussi en train d'appuyer ton mouvement illicite avec elle? Tu me troubles là. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Si je te fais quelque chose de mal, juste dis-le moi, je vais changer. Pas besoin de recourir à elle. Tu regretteras ceci. Écoute et laisse-moi te dire. Cette pleure ne réglera aucun problème. Ça ne le fera pas du tout. Tu ferais mieux de retourner et réparer ce que tu as gâché. Retourne et répare ce que tu as gâché. C'est toi qui l'as commencé. S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai commencé, Ebuka? Qu'est-ce que j'ai commencé? Ebuka, j'ai pris soin de toi. Je t'ai donné l'espoir. Je t'ai abrité. Je t'ai donné tout ce que tu as. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai commencé? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'effaces ça? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Et nous n'avons rien. Je sais que tu m'aimes. Et je t'aime aussi. Oui, j'essaie juste d'être réaliste ici. Elle est un être humain. Elle a traversé des douleurs. Tout simplement à cause de moi. Oui, je sais. Je pensais qu'elle m'avait abandonné, mais elle ne m'a pas abandonné. Non, elle ne l'a pas fait. Elle est allée travailler et elle essayait de rassembler cet argent. Ok, elle cherchait à réunir cet argent pour prendre soin de toi. Mais j'ai payé tout ça. J'ai payé pour ton intervention. J'ai payé tout ça pour que tu retrouves ta vue. Je t'ai donné de l'argent pour commencer un business. Je prends soin de tes soeurs. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, moi, pour toi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites de cette façon? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Mon amour, tu sais, allez, mon amour, écoute. Je t'en prie, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Je ne vais pas chez elle pour quoi que ce soit. Je ne peux pas te quitter pour elle. J'essaie seulement de lui montrer que je tiens à elle. Ok. En fait, elle a rassemblé cet argent. Et elle est retournée avec. Elle a ramené cet argent pour que j'aille suivre l'opération. Mais je suis déjà parti avec toi. On lui a dit que je suis déjà marié avec toi. Elle a eu le cœur brisé. Oui. Elle est retournée. Elle a même eu une fausse couche. Parce qu'elle était enceinte de moi. Oui, elle était. Je venais aussi d'apprendre cela. Je n'ai jamais su. Elle a vraiment souffert à cause de moi. Donc, j'essaie de montrer mon inquiétude. Comme ce n'est pas de sa faute. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Je ne fais pas ceci pour te faire souffrir ou te mettre mal à l'aise, s'il te plaît. Tu sais? Bébé? Frère, tu m'as vraiment déçu. Zaram, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu fais pleurer tantine Mouna? Vous ne parlez même plus. Est-ce qu'elle t'a dit que je lui ai fait quelque chose? Est-ce qu'elle a besoin de me dire quelque chose? Je ne suis plus une enfant. Il n'y a pas de joie dans cette maison. Allez, Zara, il n'y a pas de problème. Tu m'as appris que mentir n'était pas bien. Pourquoi tu mens, tantine Mouna? Zaram, tout va bien. D'accord? Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas que tout va bien? Hein? Grand frère, si tu ne règles pas ces problèmes, fais-moi retourner au village. Il serait mieux pour moi de rentrer et vivre là-bas au village que de rester dans cette grande maison qui n'a pas de paix. Mon frère sort tous les jours et toi tu pleures beaucoup. Ça...
Ça va, je suis désolé. C'est à elle que je dois demander pardon, pas à moi. Qui est-ce? C'est moi. Oh, j'arrive. Un instant. Oh, Ebuka. Oui, bébé. Sois les bienvenus. Entre. Merci. Bienvenue. Mets-toi, prends place. Tu m'as appelé. Oui, j'ai une surprise pour toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Bien. Je pense que tout va bien. Je ne peux pas croire à ce soudain changement. Oui. J'ai quelque chose à te montrer. S'il te plaît, qu'est-ce que je t'offre? Oh, tout ce que tu veux. Mais non, ça me va. Mais c'est que... Détends-toi, j'arrive. Donne-moi quelques minutes. D'accord. Que se passe-t-il ici? Ebuka. Qu'est-ce que cela veut dire? Ebuka. Tu sais que je t'aimais. Mais... je suis arrivée au point où j'ai réalisé qu'on n'était pas fait pour rester ensemble. S'il te plaît, je veux que tu restes avec ta femme. Je veux que tu l'aimes de la façon dont tu m'as aimée. Dieu a toujours planifié les choses à sa façon. C'est pour ça qu'il avait envoyé Mouna lorsque j'avais quitté Onetcha. Ebuka, s'il te plaît, je t'en prie. Il n'y a plus moyen qu'on continue. Je veux que tu aimes Mouna. Je veux que tu la fasses revenir. J'ai longtemps causé avec elle. C'est une bonne femme. S'il te plaît, je t'en prie pitié. Réponds ta femme. S'il te plaît, Ebuka. Je n'attendais pas ceci du tout. Ifunaya, je ne sais pas comment te remercier. J'apprécie ça. Merci beaucoup. Je n'attendais pas ceci. Je ne savais même pas. Oh. Mon amour, tu sais que je t'aime. J'essayais seulement de rester à ses côtés et lui faire savoir que je ne l'ai pas laissée durant tout ce temps. Tout en sachant bien tout ce qu'elle traverse. C'est pourquoi j'exprime mon inquiétude. Merci pour la façon dont tu as tout géré. Je t'apprécie pour ceci. Que Dieu te bénisse. Merci. Hey, mon amour, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur toi et te donner tout ce dont tu as besoin en tant que ton époux. Et à partir d'aujourd'hui, je promets d'être l'homme que tu souhaites que je sois pour toi. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Ah. Your love will king of the games. I'm a record you say. Follow me now. Watch out when you saw me.